Bonjour, vous avez déjà vu le film Bruce Tout-Puissant? Rappelez-vous, il y a une scène où Jim Carrey sabote le journal télévision de son rival. Le premier ministre de la Suède s'est rendu à Washington aujourd'hui et mes jolis petits tétons ont fait le tour de France. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il est difficile d'imaginer une plus grande humiliation pour un présentateur de télévision. Dans la vie réelle, bien sûr, de tels moments embarrassants ne se produisent pas souvent. Et les personnes capables de contrôler la volonté des autres n'existent tout simplement pas. Cependant, les présentateurs de télévision se retrouvent fréquemment dans des situations hilarantes, qui peuvent ensuite se transformer en un véritable mème sur les réseaux sociaux. Des chutes maladroites, des passants aux comportements bizarres, et des attaques d'animaux sauvages. Ouais, vous l'avez compris, c'est ce genre de choses qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement et accrochez-vous, car ça va secouer. C'est un peu difficile de faire passer un message quand on est constamment interrompu. C'est pourquoi les journalistes de télévision tournent généralement leurs reportages dans un endroit calme, si les circonstances et le sujet du reportage le permettent. Mais qui aurait cru que les perroquets aussi ne sont pas contre-participés à des programmes télévisés? Dites la vérité, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous recherchez votre smartphone partout dans l'appartement, mais il est juste là dans votre main. Eh bien, nous nous faisons tous parfois avoir par notre cerveau. Surtout dans les moments où nous sommes le plus concentrés sur une tâche. Ce journaliste, par exemple, était tellement absorbé par sa propre histoire qu'il a pris un champignon pour un microphone. Il est tout simplement impossible de regarder le visage surpris de son interlocuteur sans rire. Mais pourquoi un journaliste de télévision voudrait-il tenir un champignon dans sa main pendant une interview? Et d'ailleurs, de quel genre de champignon mutant s'agit-il? C'est simple. Des internautes perspicaces ont découvert que l'objet dans les mains du journaliste était un vieux maillet en bois, vieux de plus de 600 ans. Apparemment, il s'agit d'une sorte d'artefact qui a été décrit dans le reportage. Mais cela ne rend certainement pas la vidéo moins hilarante. En fait, tourner des reportages en étant entouré d'animaux sauvages n'est pas une bonne idée. Les autruches, par exemple, sont des oiseaux très agressifs, qui peuvent vous mordre pendant la diffusion. Surtout si vous montrez leurs œufs au public à ce moment-là. Qui pourrait apprécier ce genre de comportement insensible? Je ne suis pas sûr qu'il existe une telle superstition parmi les journalistes de télévision, mais elle mérite d'être introduite. L'utilisation d'un parapluie pendant un tournage n'est certainement pas une bonne chose. Voyez par vous-même. Combien de choses amusantes se produisent à cause de ça? Sans compter que dans la situation de cet homme, le parapluie n'était pas du tout nécessaire. Et tourner un reportage sur le rivage d'une mer déchaînée n'est pas une bonne idée. En revanche, des centaines de milliers de vues sur YouTube sont garanties. C'est pas si mal après tout. Lorsqu'un artiste martial et casseur de briques réputé s'est présenté au studio du journaliste, ce dernier n'a pas pu s'empêcher de tester la résistance du matériau de ses propres mains. Eh bien, qui aurait fait autrement à sa place? Le résultat semble avoir surpris tout le monde, y compris le maître lui-même. C'est drôle qu'il ait fait semblant d'être réellement impressionné par les capacités du présentateur. Bien sûr, personne ne voudrait admettre être un imposteur à l'antenne. Eh bien, pour être honnête, j'ai tellement pitié de ce type que je n'ai aucune envie de rire. C'est ce qu'on appelle se plonger dans les détails. Vous souvenez-vous de l'histoire récente de cette femme du Myanmar qui a filmé sa séance d'entraînement pendant qu'un coup d'État se déroulait derrière elle? Des incidents similaires se produisent également avec les présentateurs de télévision. Après tout, ils n'ont pas encore des yeux dans le dos. Par exemple, ce journaliste, qui parlait d'événements importants alors qu'un sans-abri tombait dans une poubelle en arrière-plan. Il est étonnant de voir comment le caméraman a réussi à ne pas se mettre à rire et à ne pas faire tomber la caméra. La plupart du temps, les journalistes ne se doutent pas de ce qui se passe derrière leur dos pendant leur reportage. Mais ce reporter, qui présentait aux téléspectateurs une tempête de neige dans la ville de Springfield, a été confronté à une énorme surprise et n'en a fait aucun geste. Quel genre de maîtrise de soi pourrait empêcher une personne de rire ou au moins de lâcher une exclamation de surprise à l'apparition soudaine d'un yéti au milieu de la rue? Peut-être la dame a-t-elle atteint un stade avancé de conscience? Quelqu'un a-t-il invoqué Dark Vador? Oui, une telle chose peut aussi arriver. Qui sait de quoi il s'agissait? Une mauvaise connexion au studio ou un stagiaire qui a mis par erreur un effet étrange sur le son pour la production? En tout cas, ça s'est avéré épique. Une bonne nuit de sommeil de 8 heures? Non, les journalistes n'ont jamais entendu parler de cela. Les émissions matinales, les voyages d'affaires urgents, la présence sur les lieux d'événements importants pendant une bonne moitié de la journée, tout cela ne correspond pas vraiment à une routine quotidienne équilibrée. Pourtant, un journaliste doit toujours avoir l'air joyeux et serein devant la caméra. À moins bien sûr qu'il ne soit soudainement amené à participer à une émission en direct, au moment le plus inopportun.
En théorie, les présentateurs de journaux télévisés ne peuvent évidemment pas être distraits une seconde à l'antenne. Mais en réalité, nous ne sommes pas des robots et des choses inattendues peuvent arriver. Par exemple, quelque chose comme ceci. Vous devez admettre que la réaction de cette journaliste en voyant son propre visage ennuyé dans le cadre est absolument magnifique. Je suis sûr qu'après cet épisode embarrassant, le public s'est mis à l'aimer encore plus. Les journalistes, bien sûr, doivent avoir de nombreux talents différents. Mais je n'aurais jamais pensé que dompter les alligators faisait partie de cette liste. Pourtant, l'animateur, Steve Burton, s'est parfaitement acquitté de cette tâche, lorsque le reptile dans ses mains s'est soudainement mis à faire d'étranges sauts périlleux. Peut-être que ce type était simplement un ancien catcheur. Quand vous étiez enfant, votre mère vous a probablement dit qu'il était inutile d'avoir peur des insectes, car ils ont eux-mêmes peur de vous. Eh bien, cet argument ne fonctionne pas vraiment. Même si je vous parle d'un homme fort qui mène un rapport sérieux sur une affaire criminelle importante près d'un poste de police. La plupart des journalistes de télévision essaient de garder leur sang-froid si quelque chose ne va pas pendant un reportage. Mais Lorraine Deboise n'en fait pas partie. Lorsqu'un flot entier d'eau sale provenant d'une flaque d'eau voisine lui est tombé dessus pendant son travail, non seulement elle ne s'est pas tuée, mais elle a exprimé avec beaucoup d'émotion tout ce qu'elle pensait directement dans l'objectif de la caméra. Et là, on ne sait même pas ce qui est le plus drôle. La situation elle-même ou la réaction de la journaliste? Vous est-il déjà arrivé de tomber sans rien faire? Quoi qu'il en soit, vous pouvez tomber même en étant assis. C'est ce qu'a parfaitement démontré le présentateur américain Ryan Seacrest, lorsqu'il a essayé d'attraper un ballon en direct lors de sa propre émission de télévision. Il semble qu'il ne soit pas fort en sport collectif, mais il a maîtrisé son intervention de manière très compétente. Personne n'aime les gens qui ignorent le principe de l'espace personnel. Imaginez que vous soyez devant la caméra en train de communiquer des informations importantes à vos collègues lors d'une émission en direct. Lorsque soudain, un passant fou décide de vous embrasser sur la joue. Juste comme ça, parce qu'il en avait envie. Seul un reporter expérimenté ne serait peut-être pas confus dans une telle situation. Et c'était le cas. D'ailleurs, des rumeurs se sont ensuite répandues sur Internet affirmant que le gars de la vidéo est le fils du journaliste. Cependant, personne n'a fourni de preuves. Mais si cela est bien le cas, alors le plaisantin a manifestement prévu une conversation très sérieuse par la suite. Il est dur d'imaginer à quel point il est difficile d'être présentateur du journal télévisé du matin. Nous les écoutons généralement à la télévision alors que nous essayons désespérément de nous réveiller, malgré le fait qu'ils soient debout depuis des heures. Et croyez-moi, ils ont autant envie d'être au lit que vous. Il ne fait aucun doute que la farce d'un cher collègue a réveillé ce présentateur 100 fois mieux que ne le ferait la tasse de café la plus concentrée. C'est une bonne chose que cela n'ait pas fini par une crise cardiaque en direct à la télé. Détestez-vous aussi quand quelqu'un vous appelle au téléphone, au lieu de vous envoyer un SMS? Et plus particulièrement si vous êtes très occupé? Ce présentateur est manifestement d'accord avec vous, mais cela ne ferait probablement pas de mal de lui parler du mode avion, ou au moins du bouton annulé. La tolérance au stress et le calme sont les deux principales qualités d'un bon présentateur de journal télévisé. La connexion avec un journaliste n'a pas encore été établie? Trouvez quelque chose pour divertir le public en attendant. Le prompteur ne fonctionne pas? Improvisez sur le vif! Une chaussure s'est envolée de votre pied pendant une émission en direct? Faites comme si c'était normal. On dirait que ce sont des super-humains. Vraiment! On ignore totalement comment un camion avec un tas de foin s'est soudainement retrouvé sur une piste cyclable. Mais le conducteur ne voulait apparemment pas que la course se termine. Sinon, comment a-t-il réussi à défoncer tout simplement la ligne d'arrivée gonflable avec sa voiture? L'animateur est visiblement sous le choc. Et moi aussi! Il arrive toujours que des incidents se produisent sur le plateau. Soit la boutonnière du costume dépasse, soit le maquillage est brouillé, soit l'angle de la caméra est mauvais. Pour garder un œil sur tout ça, il y a toute une équipe de monteurs, de managers et de producteurs dans les coulisses. Ils transmettent les commentaires importants aux présentateurs directement dans l'oreillette, et dans ces cas extrêmes, ils sont obligés de se placer directement dans l'objectif de la caméra. Comme dans cette vidéo où l'acteur Norman Reedus de la série télévisée The Walking Dead a bloqué l'écran des prévisions météorologiques avec son propre corps. L'assistant réalisateur a été obligé de sortir de la cabine et de pousser le pauvre homme hors du cadre de ses propres mains. C'est une bonne chose que les chaises du studio soient à roulettes. La vie nous donne souvent raison. Ne tentez pas le destin et vous serez heureux. Mais ce type, pour une raison ou une autre, a décidé de montrer à ses abonnés la façon dont on peut courir après une voiture qui se déplace en pilotage automatique, puis retourner à la place du conducteur, comme si de rien n'était. Pourquoi avez-vous besoin d'une telle compétence dans la vie réelle? Ne posez pas la question. Quoi qu'il en soit, la voiture avait manifestement ses propres plans lors de cette étrange expérience.
Il semble que ce type ne soit pas le plus grand expert en musique. Mais on va lui dire. Pour entendre le son d'un instrument en cuivre, il n'est pas nécessaire de mettre la tête dans le corps. Il en va de même pour un microphone. Or, c'est exactement ce qu'a fait le journaliste Corey McCloskey, et dont il a immédiatement payé le prix. L'appareil était tout simplement perdu à l'intérieur du sousaphone, et il a fallu un peu de temps pour le sortir. Rien de spécial. Juste un énorme chien qui est apparu dans un journal télévisé en direct à la télévision russe. Je ne sais pas qui a laissé entrer le chien, mais quelque chose me dit que ça n'a pas été fait sans un scénariste compétent de vidéos virales. Mais parfois, une petite escarmouche avec un oiseau peut même rendre le programme télévisé plus intéressant. Je suis sûr que sans ce pélican fou, regarder ce bulletin météo serait certainement beaucoup moins intéressant pour les téléspectateurs. Au premier abord, on pourrait croire que l'homme dans cette vidéo essaie d'attaquer une jeune fille toute fragile. Mais en réalité, il ne fait que plaisanter. La jolie fille de la vidéo est le mannequin de renommée mondiale originaire de la République dominicaine, Clarissa Molina. Tandis que l'homme à gauche est le co-présentateur de l'émission El Gordo y la Flaca, qui signifie le gros et la maigre, sur une chaîne de télévision américaine. Imaginez ceci, vous avez accidentellement cassé un objet qui était extrêmement important pour une autre personne. Et il n'y a aucun moyen de le réparer. Alors vous paniquez déjà et vous avez honte, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis si gêné de regarder ce genre de vidéo. Vous ne souhaiteriez à personne d'être à la place de ce présentateur si négligent. Le plus drôle, c'est que peu de temps avant, il se retrouvait dans une histoire similaire. Il a ruiné une tentative d'établir un record du monde Guinness pour souffler la plus grande bulle de savon du monde. Mais ce n'est pas si grave. Quelques semaines après que la vidéo avec la statue de glace soit devenue virale sur Internet, le journaliste lui-même a fait une confession très franche. Il s'est avéré que l'histoire était une mise en scène et que la statue de glace, sur laquelle le maître avait passé 8 heures, avait en fait été réalisée en 10 minutes. Apparemment, il en était de même pour la bulle de savon. Bien, respect à lui pour son honnêteté. Mais il semble qu'après cette histoire, le journaliste a commencé à être détesté encore plus qu'avant. Si vous estimez que garder un petit singe à la maison comme animal de compagnie est une bonne idée, regardez d'abord cette vidéo et repensez-y. Le plus ironique est que l'attaque agressive contre la présentatrice Kelly Gonzalez s'est produite immédiatement après qu'elle ait qualifié les animaux derrière elle d'amis. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un après ça? Si vous pensez qu'il n'y a rien de pire que de tomber en plein centre-ville devant un grand nombre de passants, alors jetez un coup d'œil à ce pauvre homme. Il semble que la fin de son impressionnant sprint ait été vue par toute l'Amérique. On peut comprendre le gars. Il était pressé de se rendre à un super match de basket qu'il devait couvrir à la télévision ce jour-là. Encore une chute et un autre présentateur tout aussi cool qui n'a pas du tout accordé d'importance aux événements. Comment font-ils? Au fait, si vous vous demandez maintenant d'où exactement ce journaliste a réussi à tomber, voici un fait intéressant. De nombreux journalistes se baladent avec de petites échelles pour réaliser leurs reportages dans le but d'avoir une meilleure vue d'ensemble, ou un meilleur cadre. Un seul faux mouvement et les coutures de votre propre pantalon se déchirent dangereusement. Nous avons tous vu ce moment dans des films, et nous en avons tous terriblement peur. Et maintenant, imaginez qu'un tel embarras vous arrive non seulement en compagnie d'amis, mais aussi sous les yeux de milliers de téléspectateurs. Vous vous sentez mal rien qu'en y pensant? Eh bien, apprenez de ce drôle de type. Il sait comment vivre les moments de honte avec un grand sourire. Si on vous envoie faire un reportage dans un parc aquatique, préparez-vous à l'inattendu. La présentatrice Jenny Milowski et son caméraman semblent avoir sous-estimé le danger d'un tel tournage. Au moment le plus crucial, la journaliste et un entraîneur ont été recouverts par une énorme vague provenant de la piscine. Mais le plus drôle est que l'invité de l'émission a réussi à s'échapper, rusé et astucieux. Néanmoins, Jenny, une vraie professionnelle, a continué à mener calmement la conversation, même si le micro ne fonctionnait pas tout à fait correctement, et malgré les vêtements trempés. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.